Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Zora Larouche, qui est une abonnée de la chaîne YouTube. Voilà, et qui nous joue un petit louche. Oui, c'est bon, nous sommes dans la caméra de la joueuse. Ou du joueur, je sais pas, Zora Larouche, je sais pas. Et donc, nous sommes en louche, char, petit char léger de tier 4 allemand, qui va donc nous montrer comment qu'on joue. Ce petit char, on est dans une partie en tier 4 et 5, et si ce T28 voulait bien se bouger, ça nous serait très utile. Allez, on ne gêne pas les gens, on est sur mine, on est parti dès le début sur la colline. Le louche, qui est un char qui a pour la particularité d'être très prisé par les bons joueurs ou les joueurs anciens, parce qu'il va être très mobile. Il va vraiment avoir cette essence du char léger vraiment très bas dans les tiers, hein. On est encore qu'au tier 4, et au tier 4, il y a des chars légers, c'est de la MX-40. Voilà. Plus sérieusement, on peut avoir du char léger qui reste encore relativement du char moyen. On sort juste du tier 3, donc voilà. On a également un barillet, le barillet du louche, qui est, vous l'avez vu en début de game, un barillet d'une dizaine d'obus environ, j'ai pas le chiffre exact en tête, on va voir si on peut choper des tirs juste ici. Oui, c'est un barillet de 5x2, donc de 10 tirs. On est sur 32 dégâts pour 95 de pénétration moyenne. À la gold, on passe à 110 de pénétration moyenne, et on n'a pas embarqué de HE. En même temps, sur ce diamètre-là, ça ne sert à rien, hein, puisque 40 dégâts pour 15 mm de pénétration. 15 mm, c'est vraiment rien du tout. Je pense que même le M8A1 a plus. Donc, on va, d'ailleurs, en parlant de M8A1, on va pouvoir lui mettre quelques tirs. On voit ici la précision du louche qui n'est pas tip-top, hein, quand on essaye de tirer avec et qu'on ne laisse pas le temps au canon de refaire la mise au point entre chacun des tirs. Ce qui fait que le louche va être un petit peu bizarre à jouer. Déjà, il faut savoir qu'il y a deux canons sur le louche. Il y a un barillet et un canon un peu plus normal. Le barillet est généralement plus joué parce qu'il propose... Oula, alors ça par contre, grosse erreur de positionnement de la part du Panzer S35 et à cette portée, on se fout pas mal de la précision à vrai dire. Est-ce que l'on peut prendre un tir sur le T6 médium? Je vous rappelle que le T6 médium, c'est un gros... mortier, et que on n'aimerait pas se prendre un de ces tirs maintenant. Attention, on est encore full life, on ne s'est pris aucun obus et il va falloir vite baisser ce canon. Le Panzer 3J qui ressort, on essaye de le taper. Ça fait 90 quand même, un louche, hein. C'est pas... Oula, attention, le T6 qui attaque. S'il pouvait se reprendre un dernier tir, ok, c'est bon. On le terminera, 15 HP, c'est ce qui lui restait. On a pu le sortir très rapidement avec un seul obus. On a un kill et 3-6 en faveur des adversaires. Cependant, on a encore la colline. Il faut voir si on peut pas spot quelques chars du côté de la colline. Ok, on pousse, on aménage un petit peu. Le M3 Stuart qui est utile même dans la mort. Et je pense pas que ce soit une bonne idée de tenter des tirs comme ça. En tout cas, à la vue du nombre de chars qui sont par là. Alors après, c'est vrai qu'on avait la carcasse du M3 Stuart. Mais quand même. Oula. Ça aussi, c'est risqué. Bah oui, là, t'es spot et t'aurais pu te prendre des tirs de derrière. Je pense que... Oula là, est-ce qu'on veut tomber? On veut tomber, effectivement. On se prendra que une chenille endommagée, et on atteindra les 700 HP sous-tirés à l'équipe ennemie avec notamment cette destruction de Sahariano. Il faut bien conduire, il faut bien conduire pour jouer son louche. Entre boire et jouer son louche, il faut choisir, mesdames et messieurs. Ne boivez pas, c'est pas bon pour votre santé. Panzer S35, 77 HP, est-ce qu'on peut tenter de le taper? Sachant que... Oulala, alors après, juste derrière, on a un Marder 2. Et depuis le début de la game, on est à la gold. Hein. Peut-être que pour le Marder 2, on pourrait repasser à la AP. Je dis ça, je dis rien. Zora, si tu m'entends...
Zora, si tu m'entends, économise du crédit, j'en ai marre. Ouais, d'accord. Là, on a appliqué la stratégie de j'en ai rien à foutre de mon char, de toute façon, tu vas mourir. C'est risqué comme stratégie, ne tentez pas ça. Et cette stratégie en plus, avec combinée à l'utilisation de Bugold, ça doit coûter très cher. J'aimerais bien voir. On ira voir à la fin de la bataille combien ça aura coûté au total. Mais je ne serais pas surpris si on était au-dessus des 50 000 crédits. Hein, parce que là, mazette que ça coûte cher. Panzer S-35 en face de nous, de l'autre côté en tout cas. J'en ai marre de bailler. À chaque fois que je pense que je vais bailler et que je ne dois pas bailler, ça déclenche un bâillement. Ça m'énerve. Oh, ça m'énerve. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a le choix entre soit plonger sur le Marder 2, soit aller sur le Panzer S-35 en face. Avantage du Panzer S-35, c'est que il est tout seul. Et qu'on a la certitude qu'il est tout seul. Parce que le Marder 2, il y a le T-28 derrière. Et un T-28, ça peut quand même faire bobo. Attention, juste là, le T-28 qui prend l'aggro sur le T-116. On ne peut pas prendre le kill là-dessus. 145 HP. Et est-ce qu'on est bon? Ok, c'est bon. 90 de dégâts au total. Et le T-28 qui a été spot juste au niveau du village. Le Marder 2 qui, lui, n'est toujours pas spot et qui, à l'heure actuelle, peut être à peu près n'importe où sur la map depuis le moment où il a été... Et je me remets à bailler. Oula ! Et pourtant, je dors bien. Oh, j'en ai marre. Oh, j'en ai tellement marre. Attention, Marder 2 qui vient de détruire le T-28 allié. T-28 allié qui, au préalable, avait déjà détruit le T-28 adverse. On a encore 323 HP, c'est assez pour tanker des tirs ennemis, des tirs du Marder 2. Et on va pouvoir sortir le Marder 2 qui est juste là derrière. Là. Allez, il te tend les bras ce kill. Il te tend les bras. Allez, des tirs. Et le kill, mesdames et messieurs, 52 HP au total. On va passer à l'analyse des résultats, mesdames et messieurs, abonnez-vous. Classe 2, au total, 976 de dégâts. Ah oui, quand même, 127 200 de dégâts de crédit. On a beaucoup tiré à la gold, hein, dans ce replay, il nous restait 44 obus gold à la fin. Mais Master sur le louche, ma manière à moi de m'amuser et de jouer ce joli Panzer léger. Merci pour ton partage et plaisir de voir dans ta prochaine vidéo, eh bien, Zora. Tu passes dans cette vidéo. On est sur... oui, on est premier. Ah non, pas premier en termes d'expérience. Ah oui, bah c'est un LCM36, pack 40, la faune nous a arrêté. Non mais attends. Le LCM36, pack 40. Oh, hein. S'il vous plaît. Oh. On arrête, hein, ça. Arrêtez, s'il vous plaît, monsieur. Un peu de dignité. Quelle indignité. Bon, mesdames et messieurs, déjà désolé pour vous avoir défoncé l'oreille. Et de deux, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut.